On connaît les Écossais, les Britanniques en général, et c'est rare. Nous, on a plus tendance, les Latins, sur des matchs avec pas trop d'enjeux, de tenir 20 minutes. Si on voit que c'est mort, on a tendance, on a du mal. Les Britanniques, c'est absolument pas ça. Ils vont venir là jouer toutes leurs chances de changer leur image. On sait qu'il faut qu'on fasse pareil au niveau de la conquête, de la défense, sur certains passages dans notre jeu, mais ça, il faut que ça soit la base pour améliorer énormément notre jeu. Si on veut l'emporter là-bas, ça sera un contexte et un match complètement différent. Je suis complètement convaincu. Non, je ne crois pas qu'il soit très glamour, enfin, franchement, je crois qu'il y en aura. Et une équipe qui joue à la maison, comme je disais, qui a besoin de montrer une autre image, qui savent très bien, on voit bien avec ce qu'ils ont été capables de faire sur les terrains contre nous. Ils ont fait un très beau jeu, qui heureusement on a pu contrer, on a pu faire au moins le minimum nécessaire pour gagner. Mais ça sera un match très dur. Exactement, je ne trouve pas un mot opposé au glamour, mais exactement le contraire, parce que ça va être un match avec une équipe avec la fin de montrer, de prendre sa revanche sur ces matchs de poule. Rien à perdre, donc très très dangereuse comme équipe. Pour accéder à ce match de janvier avec énormément d'envie et de possibilités, il faudra faire le boulot vendredi. Donc on s'est appuyé sur ça pour la motivation entre guillemets de ces matchs et les donner beaucoup du sens. Par rapport au moment qu'on vit, on a besoin de cette victoire, mais surtout par rapport à ce qu'on va arriver en janvier. Sinon, on va aller à Nantes sur un super cadre, un match où il y a déjà, je crois, 30 000 places vendues, avec un enjeu sympa. Si on ne fait pas les travaux vendredi, on s'empêche de vivre nos belles semaines à Nantes contre les Saracens.